Yo, tranquille ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et Pix, il est tellement excité qu'il a pas hésité à me couper, ça fait plaisir. Nouveau Random Rush contre Pix, comment tu vas? Mais ça va bien et toi? Bah nickel, écoute, ça fait grave plaisir de t'avoir sur la chaîne aujourd'hui. Mais ouais, merci pour l'invite. Bah pas de soucis, d'ailleurs, vous trouverez sa chaîne dans la description de la vidéo, on fera la revanche, donc n'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à aller vous abonner aussi, parce qu'il fait des très bonnes vidéos, des Cosmo News où vous avez toute l'actualité de CNCA, des bons tutos, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir, ça fait plaisir. Et aujourd'hui, comme vous le savez, Random Rush, on essaie de diversifier en ce moment les adversaires. Donc on a commencé par Fornax la semaine dernière et là on a Pix aujourd'hui. Donc tu te sens chaud ou pas? Ah chaud, gros joueur PVP en plus, ça va envoyer du lourd. Ça va envoyer du lourd là, tu le sens bien. Duel sacré comme d'habitude les frérots. Donc on a tous les persos qui sont maxés, level 80, 6 étoiles, voilà tout est bien fait. Et puis on va tirer 6 persos chacun avec un retirage. Donc on va composer une team avec et on va s'affronter. Donc n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, ça ferait grave plaisir si le concept vous plaît. Et puis écoute, vu que t'es l'invité, je vais commencer par faire ton tirage, honneur à toi. Fais péter, fais péter. Je note, j'ai mon petit bloc-notes, je note les chiffres et je compose. Vas-y, let's go, c'est parti. Oh putain, ça commence bien, numéro 13. Ah c'est pas mal ça, ah, ça c'est bien, okay, numéro 13. Je te dis après, hein. Fais-moi le tirage, après je les mets et puis... Ah tu ouais fais plutôt à part, ça va. Comme ça on sent le... On sent déjà la, okay, la température. Ok, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un chevalier d'or. C'est un Aiolia. C'est un Aiolia. Ah pas mal. Je me demande d'ailleurs si s'il y a les Reaper Claws sur les... Bonne question. Ah c'est intéressant ça. Je sais pas si... Ouais je sais pas du tout. Bah si vous savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que moi j'en ai aucune idée à ce niveau là. Bon, il y en a bien qui va se choper un Milo, un Shura ou un Shaka. Ouais je pense aussi, ouais, clairement. Du coup bah vas-y. Allez. T'y crois pas. Je te jure t'y crois pas. Bien. 68. Oh bordel. Oh là là là. Je suis désolé. Je suis désolé. En gros les gars, c'est trié par rareté. Donc plus vous avez un chiffre proche de 0, plus vous allez avoir un bon perso. Et l'inverse, clairement, ça va tomber sur des Black Saint bizarres qu'il n'y a personne qui utilise. Tu m'as dit 68? Ouais. Ça va, je suis tombé sur le moins pire on va dire. L'armure vivante. Ah ouais quand même. Ouais ça va. Ouais, intéressant ça comme perso, clairement intéressant. Ça va. Et toi c'est le... Mais non mais c'est du... C'est pas possible, numéro 10. Un, le 1, 10, sérieux? Mais oui, 1, 2, putain, c'est pas croyable ça. C'est un Aldébaran. C'est un Aldébaran. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal. Ok, alors c'est parti, je génère 13. Ah, là on parle, là on discute. Là on discute. Hop, attends. J'ai mis un perso. Moi, si t'arrives à me balancer une prêtresse noire ou un chaka pour que je puisse aller avec mon Aiolia, ce serait bien. On va voir ça, écoute. Ça sera pas trop dans mon intérêt. Alors, hop, on commence là. Donc, on a 6, 12, tu m'as dit 13. Et 13, je tombe 13. Sur un chion. Donc, c'est très très bien ça. Ah, ça, ça c'est bon ça. Chion maxé, donc. Ouh, ça va piquer. Ça va piquer. Ça va piquer clairement. En plus, les stats sont maxés, ils tapent en fonction des HP, vu qu'on n'a pas de Cosmo. Je pense qu'il y a moins qu'ils fassent du très très sale. Peut-être préciser qu'on est tous en tout en fait démarrer, hein, histoire. Oui, alors au niveau des runes, on va partir en fait démarrer, tout simplement pourquoi? Parce qu'on peut pas retirer les runes légendaires, donc autant partir en fait démarrer, hein, pour diminuer l'impact. Voilà. Ah, 57. Ouh, tu vas me faire compter là. 57. T'as des B qui sont beaucoup plus intéressants que DA, donc peut-être 57, tu vas tomber sur un truc clair. Pas mal. Hein. Cassios en B. Ça va en vrai, c'est pas si mal. Hein. C'est pas si mal en vrai, ouais. Ah, ton chion là, ça va bien du coup. Ah ça, ouais ça... Ah oui, pour le coup, oui, c'est pas, pas mal du tout, aller. Clairement. Alors, ça va faire qu'un tour, hein, mais au moins, premier tour, je le tank. Ok, c'est parti. Allez, sors-moi un bon chiffre. Et sérieux, 15. Ah là, fais plaisir. Oh là, tu fais plaisir, on parle la même langue. Du coup, on est à 12, 13, 14. Oh yo. Aïe, 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 aïe. Grand pop.
Oh non. Oh putain, je crois que c'est le meilleur perso sur lequel tu peux tomber. Ok, je te propose d'enlever la fée des marais pour commencer. Ah mais clairement ça va être n'importe quoi parce que ouais. Another Dimension level 5 c'est tellement puissant les gars, c'est, ça pique. c'est incroyable. En sacré duel le grand pop c'est un des trucs les plus pétés clairement. Ah putain. Ok, le tien. Ah 17. Vas-y. 17, donc tu vas tomber sur un S normalement, je pense que ça va être vers les fins, vers la fin des S. T'as une chance sur deux de tomber sur Krishna. Aiolia, Seiya de la Flèche d'Or, il était entre Grand Pop et Yoga Pog. Oh putain. Entre Grand Pop et Yoga Pog, ça me fait mal, mais c'est Seiya de la Flèche d'Or. Bon bah voilà. Ah putain, pas de chance, écoute. Bon, c'est toujours ça. En vrai, vu qu'il est maxé, il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec. Peut-être. Bon, c'est fun, franchement, c'est fun. On va voir ce que ça donne, quoi. Et 44 pour toi. Alors, je suis... Hop. On va être là. 12. 18. 24. 30. 36. 42. Tu m'as dit combien? 44. Ah! Alors, j'étais à 42. 30-14. Du coup, j'ai un perso que j'ai jamais utilisé, très intéressant, Bayan. Je sais pas du tout ce qu'il vaut. Ah oui, je crois qu'il peut débuff le speed, donner du speed, j'ai pas jamais testé. Ouais, moi non plus, je me suis toujours... J'ai laissé dans un coin les doublons en me disant qu'un jour j'allais le tester, donc ok, bonne occasion de le faire. 64 pour toi. Oh. Ah, c'est peut-être l'armure vivante, qui sait. vous faites quoi les frérots, vous, pendant le confinement, vous? Est-ce que vous faites des random rush? Ça serait pas mal, hein. N'hésitez pas à en faire, hein. On a le temps de tout test. C'est une mi. Mi? En vrai, c'est pas trop mal. En vrai, c'est elle pas soigne, trop mal. Hein, en plus. Ouais, voilà, ça me fait une soigneuse. Bon. En vrai, c'est voilà, pas trop quoi, mal. C'est ça. Parce que elle soigne et je crois qu'il y a une capacité de debuff potentiellement. Ah, c'est possible. C'est typiquement le genre de personnage que j'ai jamais utilisé. Ouais, bah, tu m'étonnes. Sur aucune version depuis jamais, quoi. Très bon. Qu'est-ce qu'elle a comme skill? 100% de dégâts cosmiques. Et... Ah non, ok. Et dissipe aléatoirement un effet positif. En fait, elle clean un de tes buffs. Ah, c'est pas une erreur de trad, ça? C'est possible. Dissipe aléatoirement un effet positif sur la cible. Ouais, j'ai un doute. Je t'avoue que j'ai un doute. Ouais, ouais, pareil. Ça sera un peu con quand même. Ok. Ah ouais, ça c'est juste, elle enregistre les PV. Ouais, ok, on va voir. On verra. Et du coup, pour toi, dernier perso, hein? Non. Avant-dernier. Non, avant-dernier, ouais. Avant-dernier. Non, c'est pas vrai. Vas-y, dis-moi. Je pougne pas, hein. Vas-y. Deux. Oh. Deux. Alors, c'est un Poséidon ou un Hadès? Alors, j'ai pas Hadès, malheureusement. J'ai attendu de l'avoir aux éclats et j'ai pas. Ouf, j'ai... Donc, c'est pas un SS. c'est pas un SS. J'ai eu genre 90 éclats. Mais bref, du coup, c'est Milo. C'est Mayura, non? C'est Milo. Milo, ah bah ouais, putain, purée. Ah, ça pique. J'espère qu'il n'y a pas les rework. Non, bah je l'ai pas fait de toute façon. Donc, je suis le seul mec qui a fait son Reaper Close là, je crois. Ma chance légendaire hein, avec le jeu. Ok, du coup, toi, il te manque un perso ou non, t'es full, je crois. Non, je sais plus. Non, il manque un perso. Il manque un perso, d'accord. Ouais. Ok, donc ça va être le numéro 28. Là, ça va tomber sur un A. C'est Ikki. C'est Ikki standard. Ah, le standard. Non, non. Ikki classique. Bon, bah, ça me prend un petit dégât de zone, mais je pense pas que c'est lui qui va carry la game. Quoi. Ouais, clairement. Alors, du coup, je me retrouve avec Mi, Ikki, Seiya de la Flèche d'Or, Cassios, Aiolia et Aldébaran. Je vais juste. On a dit qu'on virait les vitesses, je vais juste vérifier que toutes mes vitesses sont à zéro. Bah attends, t'as le retirage après, t'inquiète. T'as encore le retirage. Ah oui, il y a le retirage, c'est juste. Du coup, je te tire ton dernier perso aussi, c'est parti. Vas-y, let's go. 64, on l'a déjà eu, non? Ouais, ouais, mais de toute façon, je vais... Ah bah ouais, ça décale de 1. Voilà. Ouais, bah 64. Ok, 64... on était... Alors, j'avais dit... Ah, quoique, non, je crois que j'ai même pas assez de perso, en fait. Parce que j'étais à 76, j'en ai pris 5, donc il m'en reste que 63. Du coup, je retire. Ouais, ouais. Allez. 53. Bah voilà. Ok. Donc, on va partir de la fin. Ça sera plus simple. Ok. Donc, si je compte bien, je suis à 62. Vu que j'étais à 67. Donc, 62, 61, 59, 58, 57, 56. Tu m'as dit combien? 53.
Ouh, encore un nouveau perso, c'est pas mal ça. Alors c'est Niobe. Niobe, ouais. C'est celui-là qui vient d'arriver là, tu sais. Alors moi je viens de l'avoir, je sais pas s'il était sorti depuis longtemps, le B là qui est là depuis un moment. Il est sorti il y a quelques temps, mais... Ah ouais? Ah ok, d'accord. Ouais, il y a quelques semaines, j'entends. C'est pas Rémi, quoi. Ouais, je l'ai pas encore débloqué. Ça aurait bien passé, je l'ai pas débloqué. Ah ouais, d'accord, ok, tu l'as pas encore débloqué. Non, il me manque 12 médailles. Ça va venir aujourd'hui, normalement. Ah ouais, d'accord. Ça aurait été mieux avant. Mais ouais. 70% de chance de relâcher de l'énergie sans avoir besoin de la charger. Qu'est-ce que c'est que ce perso? Qu'est-ce que c'est que cette erreur de traduction encore? Ouais. C'est... Putain, les arrêts de trad. Clairement là, je... Bon, ok, bon, on verra. Attends, qu'est-ce qu'elle fait? Mi tue un personnage pour zéro. Ah ouais, 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 c'est ça. C'est une Gutibis. C'est ça. Bon, le perso que tu veux virer, toi, ça va être qui? Je pense que je vais essayer de virer Seiya de la Flèche d'Or, parce que du coup j'ai déjà un mono-cible avec Aldébaran, même s'il est un peu lent, et je sais pas quoi foutre de ce perso, honnêtement. Ok, let's go, en espérant que... Ouais. Ah, 25. Ah. Qu'est-ce que ça va être? Un petit Dédalos, peut-être? Ouais, moi... Un Yoga. Yoga oh, standard. Ouais, pas dégueu. Ah, un mini freeze tout seul. Un petit mini freeze. Ah oui, mais attends, en plus t'as Aiolia, donc... Y a et moins... j'ai Aiolia derrière, c'est un juste. Sale, hein. Ouais, ouais, ça peut passer. Alors après, faut qu'il ait le temps parce qu'il y a toujours ton Sion en face. C'est mon Cassius qui tank tour 1. On va voir. Clairement. Qui est-ce que tu vires? Sion, c'est ça? Putain, en fait, je suis perturbé parce que j'ai envie de garder les deux nouveaux persos. Parce que c'est juste. Ils sont. Enfin, juste pour les tester, tu vois, parce que je les ai jamais testés. Est-ce qu'on va la jouer sport ou pas? C'est juste. Bon, on va dire que j'ai assez de contrôle avec l'Another Dimension, du coup... Sion, grand pop, ça va être chaud. Clairement, je suis en train de demander en fait, soit je vire Milo, mais je sais pas si je vais avoir assez de DPS, soit je vire l'armure, mais l'armure, du coup, je vais avoir moins de contrôle. Allez, je la joue sport, je vais virer... Je vais virer Milo. Allez, j'ajoute sport, allez. C'est parti, je tire. 40, tout pile. Il y en a qui vont me dire, mais pourquoi tu as viré Milo? Espèce de fou. Ah, les gars, ne vous inquiétez pas. C'est pour le sport. C'est pour le sport. 18, 24, 30, combien? 40. Ok, 36 du coup. 37, 38, 39. Un yo, ok. Oh, nice, ça, c'est bon ça. Ouais, nice, plutôt nice. Ok, bah écoute, moi j'ai ma team que je vais sauvegarder. On va vérifier pareil. Que... Ah ouais, je vais vérifier aussi juste les runes. Qu'il n'y a pas de vitesse. Ok, j'ai pas rajouté de vitesse. On va rajouter donc le petit... la petite fée démarrer. Pareil, la fée démarrer sur voilà. Tout le monde. Fée démarrer. Hop. Ça, ça fait aussi. Voilà, bah nickel, hop. Alors, du coup, je propose qu'on joue avec les... bien sûr, avec les... je sais pas comment on faisait avant, en fait, mais qu'on joue avec les bénédictions. Qu'est-ce que t'en penses? C'est-à-dire les dieux, tu dis? Les dieux, ouais. On peut mettre les dieux en duel sacré? Alors, je vois que dans... Quand je mets trier là, il y a ah oui, Dieu, un t'as raison. Dieu, donc, tu as raison. En plus, okay, sont... bah, coup, oh, ouah, c'est pété, c'est max. Elles sont niveau 5. Oh, ça va être super intéressant, okay. En vrai. Ok, je mets mes dieux, on met les dieux. Allez, voilà. Let's go, ça va être super bien ça. D'ailleurs, on va pouvoir les tester level 5, le truc que jamais personne ouais, c'est aura. Ça. Sauf ouais. Les grosses si, whales. Il y a des joueurs du Jamir, sinon c'est quoi. Alors... À partir de des aimants, je réduis la vitesse de 3 chevaliers demi de 30. Ah ouais! En vrai, il y en a qui sont pas dégueux. Ah, il y a Bacchus qui va partir. Tu t'es. Ouais, moi je pense que je vais partir sur ça. Ah, moi c'est vraiment ton chien qui me fait peur là pour le coup. Ton Another Dimension évidemment, mais. Ah, est-ce qu'il me faudrait. Ah, purée. Compliqué, hein, c'est... Ton chien qui se gère avec la timidité d'Aphrodite, ton pop avec Arès, qu'est-ce que je fais, Putain, même moi, ça va être
Ça va être chaud. Ça va être clairement chaud. Ouais, allez, on va tenter. On va tenter. Bon, allez, on va être sport jusqu'au bout. On va jouer. Tac. Allez, on va jouer ça. Ok, bon, je suis bon. J'ai sauvegardé. T'es bon aussi. Pareil. Je suis bon aussi. Ah, mais attends. Vite, c'est ça? T'es sur. Mais attends, mais je suis débile. T'es sur U.Neur ou pas? Ouais, je suis pionnier. Ouais, j'ai eu peur. Putain, heureusement, tu sais, je vais dire. Je viens d'y penser. Je viens mais de tu sais que à chaque fois, j'oublie ce bordel en plus. Je me dis, mais attends. Pionnier. Oui. Par contre, est-ce qu'on est amis? Non, je crois pas, justement. Faut que je t'ajoute. Attends. Ouais. Bon, petite coupure, accepté. Les gars. Parce que j'ai dû ajouter plus qu'un ami. Là, on a eu quelques petits déconvenus. Mais c'est bon. Là, ça marche. Vous inquiétez on pas. Bon. On a pas triché pendant le cut. Y'a pas de soucis. Bon. Bah, écoute. Voilà. Alors écoute, ouais, Aldébaran, Aiolia, Cassius, honnêtement, la team 1. Je trouve ta team plutôt pas mal. Alors clairement, sur le papier, je pense que j'ai l'avantage. Hein. Ouais, oui, oui. Mais je trouve... Rien qu'avec Grand Pop, quoi. Je trouve ta team pas dégueu, clairement. Je trouve ta team pas dégueu. Ça va, ça va. Aiolia, Yoga, ça peut le faire. Cassius qui sera là pour tanker un petit peu. Maintenant, ton Grand Pop... Non, ça va être un réel problème. Hein. Non, ça va être un réel problème. On va voir problème. Les speeds natifs, en fait. Tu joues en x1 ? On joue en x1 ? Enfin, en 0 vitesse classique ou... x2 ou x3, je sais pas comme tu veux. Hein. Allez, x2. x2, ok. T'as bien mis ta bénédiction? Ah, attends, non, je crois pas. Attends, on va voir ça, tu me dis. On va voir tout de suite. Bien joué. Ah, mais en fait, je l'ai configuré avant, mais je sais pas si ça reste, s'il fallait la remettre. Je crois que c'est bon, normalement. Parce que moi, c'était bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, nickel. Let's go, bonne chance à toi, frérot. Bonne chance, Cro. Allez, c'est parti. Du coup, il faut vous laisser 2 secondes. Qu'est-ce qu'elle fait déjà? Hop, on va mettre un x2. Alors moi aussi je vais regarder un peu. Allez. Ce qui fait ce zouave là. J'ai joué mamie. Maintenant, c'est lui qui va faire le taf. Est-ce que je vais prendre des risques ou pas? Directement prendre des risques. Il n'y a pas le choix. Attends, il m'a fait quoi là? Ah. Ok. Petit boomerang, j'appelle le boomerang de Yoga. Du coup on est à combien? On est à 4. Alors. Tac. Ah, attendez. Ah, je suis partagé par quoi faire ce tour 1. Non, écoutez, on va bien jouer, du coup. Il faut savoir qu'ils sont tous, alors certes tout est au max, par contre ils sont vachement en mousse comme il n'y a pas de substat quoi, donc ça fait vite très mal. Ah, j'avais pas remarqué, ils baissent la défense. Ok, d'accord. Ah ouais, tu m'as mis un debuff sur Ayo. Ah, mais il y a le Cassio, El Famoso Cassio qui va te protéger. El Famoso Cassio avec l'ami. On va voir ce que ça fait, jamais essayé. Bayan, qu'est-ce qu'il fait, Bayan? Ah ouais, 60% Bing. De dégâts cosmiques sur l'attaque. On arrête. Ah, il a lâché la reste. Ah, enfoiré, putain. Ah, du coup, t'as été deflect là avec le. Ouais, avec le grand pop. Ouais. Ouais. Exactement, ça passe son passif qui est au max, donc forcément, ça va le faire souvent, je pense. Regarde, hop. Ah non, là, ça a passé. Je suis en train de me poser une question. Ça va... Oh, comme il est lent, le Aldébaran, mon dieu. Je suis en train de me poser une sacrée question, ça va être. Oh, mais en fait, je pense que. Alors. Ouais, on va essayer. Ah non. Horrible. Bien joué. Et là, Anozol du Mansion. Oh. Direct. Ah ouais, faut pas. Mais du coup, Oh, il passe. Ah, il passe. Punaise, merde. Magnifique. Merde. Misère de misère. Ok, on va continuer. Et ça passe pas avec Yoga, normal. Bon, alors... Faut pas que je joue au con. En vrai, je vais pas jouer au con. Je vais assurer le truc parce que ça serait tellement bête de perdre le grand pop sur ça. Ouais, là, t'as déjà bien géré le Hades. Ouais, voilà, deflect de nouveau sur le chion. Alors. Ah, mais attends. T'es un. Est-ce que je peux te manger? Je sais pas comment ça. Ah, avec Aldébaran, tu dis ouais. Manger le Aldé? Ouais, je sais pas. Tu peux essayer, bah ça va faire recracher par contre Cassius, mais tu peux... Je sais pas si ça, comment ça fonctionne en fait avec Est-ce que je teste pour le sport, les gars? Allez, on va tester pour le sport. Moi, je te dirais de test. Pour le sport. Je dis pas ça parce que je focus ton grand pop. Alors, on va essayer, voir. Ouais, ça passe pas, évidemment. Alors, on a le famoso Bayan. Hop. Oh non! Putain, je suis trop con. Oh, mais attends. Il fait mal, quand il même. A mis deux coups, là? Qu'est-ce que c'est que ce soir?
Ouais, ouais, il a mis un premier coup, puis une espèce ah, de. Ah, attends, ça doit être un passif. Bayan des Chevaliers des Mers affiche 160% de dégâts de Ranmaru supplémentaire lorsqu'il attaque des cibles rapides. Oh ah. Ah, ouais. Oh, c'est ouf ça. Voilà, il me semblait qu'il y avait un tricks avec la vitesse, il me semblait. Ok, pas mal. Bon. Attends, attends. Ça va piquer. Ah, mais en fait, je suis con parce que mon armure, elle peut pas jouer quoi. Elle peut pas jouer. Oui, elle peut pas jouer parce qu'elle a pris, elle a bouffé quelqu'un. J'étais... Par contre, ton chien, lui, il peut jouer. Je suis un giga débile. Allez, on va voir les dégâts. Bon, attends, faut pas que Aldébaran, par contre, tu mettes. Bon, là, j'ai pas trop le choix, mais. J'ai pas trop le choix. Allez, s'il te plaît. Allez, Aldé. Aïe, 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 aïe. Ah bon. Mais c'est quoi ces dégâts ridicules? C'est quoi ces dégâts ridicules? Ah merde. Ah oui. Oh. Ah putain. Ah, c'était naze. Là, c'était éclaté. Hein. C'était naze. On va pas se mentir. On va dire la vérité. Mais du coup, Bayan, surpris par les dégâts. Hein. C'est pas dégueu ouais, du tout. Ouais, quand même. Hein. Augmente. Je la tente. Non, ça passe pas. Non, Yoga, non, il fallait passer, là. Il faut mettre des stats. Alors, on va le test, lui, du coup. Ah, je suis déçu par les dégâts du Aldébaran. Hein. Ah, vraiment, clairement, quoi, c'est clairement, moi aussi. Hein. Bon. Bah, voilà, quoi, on tente, hein. Et non, Another Dimension. Ah, t'as pas eu de chance, hein. Honnêtement, t'as vraiment pas eu de chance sur Another Dimension, pour le coup. Bon, Cassius qui va claquer. Alors, Bayan... Bah tiens, on va tester skill. Alors, il augmente la vitesse de 35% de ses coéquipiers peut utiliser seulement ah, voilà, une fois. Ah oui, seulement une fois par combat, d'accord. Oh, c'est... Ah bah, ouais, donc bon, ça se prend ça. C'est hein. Stylé hein. On va voir les dégâts qu'il met avec son sort de base. Ouh. Il fait plus de dégâts, que le Greto Horn de Aldébaran quoi. Clairement. Bon, frérot. Ouais, allez, ciao, Yoga. Ah. Oh. Ah. Et voilà. Et voilà, derrière. Du coup, je vais même essayer autre chose. Hein. Mais quoi? Il fait pas de dégâts ou quoi? Aldébaran, c'est une déception complète. Hein. Ah, complètement. Complète déception. Regarde, même Mamie, elle fait plus de dégâts. c'est mon DPS. Ah, bon, on va utiliser ça pour le fun, pour voir un peu. Ah, le petit Bacchus, ça va me ralentir. J'espère que je passe pas derrière ton Io. J'espérais ne pas passer derrière Io avec Kiki. Ah putain, c'est pas mal ça. 30% de perte de vitesse. Ça fait le taf. Ouais, quand même. Hein. Ah. Allez, bon, là, c'est maintenant. La Scylla fait la grève là. Ouais, mais bon. Fait des dégâts un peu. putain, attends. Ouais, bon, on va continuer à focus. Mais... Bayan, vraiment, pour le coup, stylé. Ouais, intéressant, hein, finalement. Ouais. Bon, là, ton chion, quoi, c'est un peu. Bon, chion, c'est. Ouais, ouais. Mais par contre, pourquoi. Ah, mais. Mais t'as vu le bug? Tiens, attends. Mais t'as. Il me semble. T'as vu ce qui se passe? Il meurt pas, nos persos, c'est moi qui rêve. Mais non, c'est... En fait, tu vois, t'as lâché Ares. Ouais. Et la Ares, vu que j'ai bouffé ton perso, je tape mi. En fait, ça tape automatiquement, c'est pas moi qui tape à chaque fois. Ah, quand même, donc t'as quand même le Ares qui tape. Ouais, ouais. C'est bizarre, là, bon, jamais vu ça. La Another Dimension, là, du coup... Non, je suis passé en mode auto, du coup. Je voulais finir ton chion. Ah. Allez. Bon, normalement, je devrais le finir au prochain tour. Je me demande si chaque coup de Scylla c'est compté comme une attaque. Oi. Ah ouais, quand même, en vrai, hein, je suis en train de rigoler, mais je vais perdre en fait, hein. Non, t'es bien là encore avec ton Io, quoi. Attends, mais est-ce que la provoque elle est finie ou pas? Ouais, c'est ça. Et non, en fait, le reste il dure depuis 4 tours, quoi. Mais quoi? Mais je vais perdre. Ça fait 5 manches. Ça fait 5 manches que ton popo il est sous Ares, quoi. Grâce. Bon. Tu veux pas remanger mon Cassius? Attends. Est-ce que ça marche, s'il te plaît? Non, ça marche pas. Non! Ah! Ouais, mais il fait rien! Ah, mais t'as changé de perso en fait! Comment j'ai changé de perso? T'as focus la malarmure là? En fait, ouais. Ouais. Parce que vu que le pop était sous Ares et puis que ça buguait, je me suis dit, allez quoi, faut tenter hein! On est pas là! Ah putain, mais en vrai, ça se trouve, je vais perdre les gars! La honte, je vais perdre avec une team comme ça, putain! Ouais, mais bon, Aldé, allez, tape! Bon, là quand même, ton Bayan, à mon avis, va faire la dite. Là, le Ares est fini. Hein. Le Ares est terminé. Bon, ça serait bien qu'elle arrête de faire la grève, si là aussi.
Là, par contre, ça, ça peut m'aider. Ouais, ta Scylla, elle était en mode gilet jaune. Hein, oh, aïe, aïe, aïe. Ouh, oh, mais putain. Ça va être... Vas-y, Cassios. 9000. C'est chaud, sa mère. Ah, ah, c'est chaud, c'est plus tendu que ce que je pensais. Voilà, nice. Voilà, allez, cette fois-ci, ça fait manger. Ok, en gros... Ah, mais il y a... Putain, il y a la... Merde, mais je suis... Ah, ouais, je suis dans la merde. C'est Iki qui va me carry la game, hein. Mais ouais! Parce que là j'ai pris des buffs, de dégâts. Yes! Putain! Le Bayan, je tape avec Cassios, Cassios! Non! Oh là là! Mais je vais te faire, cette bordel! Remontée des enfers! La remontée des enfers! Iki non, Cassius, mais je le mange pas! Non! J'ai vraiment il perdu! Ne mange pas, il prend la patate! J'ai perdu, putain! Oh, la là vache! Là. Bon, il y a eu le bug, hein! Il y a eu le bug qui a fait que t'as pas pu utiliser ton pop! Oh, voilà, bordel! Quoi. C'est énorme! Et maintenant, je pense que c'est assez foutu parce que mon Cassios il va tanker toutes tes attaques quoi de c'est toute fini, façon. C'est fini, clairement, c'est fini là. Ah oh, putain. Oh, j'y crois pas. Honnêtement, je partais vraiment pas gagnant là. Ah, j'ai trop pris la. Bon, voilà, les petits bugs. Oh putain. Oh là là. Oh là 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 là. Bah, au moins, il y a eu de l'ambiance. Ah, clairement. Finesse. Superbe. Putain, superbe. J'ai perdu. Donc... Avec ça! Tiens! Le gros poulet! Et Cassios qui va mettre le finish! Mais Cassios il fait mal hein! 16 000! Il fait mal! Ouais. 16 800! Il fait mal, Cassios! Mais c'est mal, cet enfoiré! Je suis mort! Bah écoute, bien joué à toi! GG! Incroyable cette game, vraiment! Elle était incroyable belle. Cette game, putain! Bon, donc voilà, hein, pour gérer Grand Pop, et bah, il faut qu'il mange le mec que vous avez mis sous arrêt, ouais. Ça fait l'armure de mort. Quoi. Putain, j'ai voulu prendre Bashus comme ça, puis j'aurais pu voile le Grand Pop pendant 2 tours avec la timidité d'Aphrodite, bordel. Ah, ce match de l'enfer. Ouais. Mais c'était sympa. Ouais, non, mais de ouf, clairement. Sympa, clairement, je regrette pas d'avoir déposé Milo pour le sport parce qu'au final, ouais. ça. L'issue du combat elle est incertaine là, j'ai perdu. Honnêtement, je pense que si tu laissais Milo, ça était très très compliqué parce que t'aurais chargé T1, T2, ouais. Il est au max avec son tourbillon, t'allais one shot de toute façon. Déjà que ton chien il m'a one shot quasiment 2 persos. Je te jure. Persos. Bayan, en fait, le problème avec les persos de type B et type A, c'est qu'ils ont pas de PV, j'ai l'impression, par rapport aux autres. Ouais, bah ouais, ils sont en mousse quoi. Ouais, ils sont clairement en mousse. Surtout sans rune, tu vois, en plus. Donc c'est clair qu'ils prennent monstre cher. De ouf. De ouf. Alors que là on a vu mon Aldébaran il faisait pas de dégâts, par contre eh ben, il était quand même assez tanky quoi par rapport à d'autres. Ouais, ton Aldébaran carrément c'était un monstre, il avait je ne sais pas combien de PV. Après les faux. C'est ça. J'ai trop voulu m'amuser au focus, j'aurais dû défoncer dès le début le Iki, ça serait allé beaucoup plus vite. Mais t'as bon. T'as bien fait. Voilà. Ouais, c'était sympa. Bien joué. Ouais, moi j'ai dû jouer comme je pouvais, bien joué à toi, vraiment, c'était sympa. Ouais, de ouf, du coup, c'était fun. Vous pouvez retrouver la chaîne de Pix dans la description, n'hésitez pas, il y a la partie 2 sur sa chaîne. Voilà, abonnez-vous, mettez plein de pouces bleus, ça fait plaisir, n'hésitez pas à nous dire si on a fait des erreurs, ce que vous aurez fait. Parce que je sais qu'il y a tout un mec dans les commentaires pour me dire, mais tu joues mal. Ouais, fallait pas faire ça. Voilà, exactement. Bon, C'est aussi pour le fun. Hein, oui, ça, clairement. Mais vous inquiétez pas. Vous pouvez dans les commentaires prouver que vous êtes plus fort que moi, il n'y a pas de problème. je vous laisse le faire. Voilà pour cette petite vidéo. Du coup, je vais te laisser le mot de la fin. Et puis. Merci beaucoup pour l'invite, vraiment. Et puis, on va plaisir. Faire la revanche sur ma chaîne le plus vite possible, quoi. Bah ouais, je pense clairement. Que je te dois la revanche. Ouais. C'est vrai que là, ça serait tendu de me la refuser. Exactement. Non, mais en tout cas, merci beaucoup. Concept super sympa. Moi, c'était mon premier random rush. Donc, comme je disais, tu m'as dépucelé du random rush. C'est beau. C'était sympa. Franchement, c'était marrant. On s'est bien poilé. Donc voilà, vivement le prochain, j'ai envie de dire. Bah ouais, clairement. Écoute, moi, ça m'a fait bien plaisir de t'inviter sur la chaîne. En plus, ça faisait un moment qu'on se disait qu'il fallait se faire un truc, etc. Exactement. Donc, très heureux d'avoir fait ça avec toi aujourd'hui. Et puis, j'espère que vous avez kiffé autant que nous, en tout cas, regarder ces vidéos, avoir pris autant de plaisir à la regarder qu'on l'a fait. Et puis, écoutez, je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur CNC ou peut-être sur autre chose, on verra bien. Et puis, je vous souhaite plein de luck pour vos invocations. Je vous dis à la prochaine. Ciao, portez-vous bien.